Alors chez Chanel, le look maquillage est inspiré sur une galerie d'art. Et le décor, c'est Cal qui a créé toutes des œuvres d'art dans une galerie ici dans le Grand Palais. Et le bas, c'est un maquillage noir. Tu vois, un eyeliner noir très exagéré, avec un sourcil noir. Un peu années 60 pour avoir un regard très hautain. Tu vois, comme une femme intellectuelle qui regarde très hautain des œuvres d'art dans une galerie. Et sur ça, c'est presque le cadre de mon maquillage. Et sur ça, j'ai joué avec, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais avec finger paint. Tu vois, c'est comme la peinture pour les enfants. Tu vois, c'est et des couleurs avec ces brush strokes, tu vois, avec un pinceau. Et j'ai fait des. Oui. Chaque mannequin est un peu différent, avec une gamme de couleurs très basique. Et ce qui sont inspirés aussi sur les œuvres que Carl a fait. Et voilà, c'est ça. Comme ça, le cadre est tout noir, les angles sont noirs, et il y a ce petit jeu de couleurs qui se joue dans le regard. The look today, Chanel, is very architectural, sculptural. It's a little eccentric. They're kind of triangular wigs in black, white, and brown. It's the atmosphere is an art gallery, and Carl wanted something very wide and sharp and triangular. So in the past 3 weeks, we've been working on 80 wigs, and we kind of kept them not quite natural, but there's a natural feel to them, even though they're a bit strange. Chanel, où une partie des œuvres a un rapport avec Chanel et l'ADN de Chanel et l'autre pas, mais c'est pour donner l'esprit de certains Zeitgeist qui doit se refléter aussi dans la mode. Ça, c'est laisser à l'imagination des gens parce qu'on n'impose pas un truc. Officiellement, c'est pour tout le monde. Si vous pouvez vous identifier avec, vous le mettez. Si vous ne pouvez pas vous identifier, qu'il vous faut une robe sirène avec une traîne, ben vous irez ailleurs. Et puis c'est imprimé un peu comme des pantones, comme des palettes d'artistes. C'est beaucoup plus ancien, c'est des peintures à l'huile du siècle dernier, où les cartes colorées étaient faites avec des vraies couleurs, parce qu'on ne pouvait pas imprimer. Et là, c'est des imprimés qui ont plus de 150 couleurs. Dans le temps, 25, c'était le top du luxe de faire 25. Il y a 2-3 ans, on n'a même pas pu le faire. Parce que quand on regarde de près, il y a 15 bleus et tous les degrés de toutes les couleurs, c'est incroyable. C'est même l'ADN de Chanel, c'est qu'on puisse bouger dans les vêtements. Je trouve que c'est important. Il ne faut pas que les choses soient trop sérieuses. La vie est déjà assez sérieuse pour pas mal de monde. Donc dans la mode, si on a la chance de pouvoir avoir un peu de légèreté, ben ce n'est pas un luxe. Oui, ça m'a transporté dans le printemps direct. Ils avaient des sacs à dos avec des pinceaux dedans, des pochettes à dessin sous le bras. On sent les gens qui vont aller dessiner ou peindre quelque part. Et ça sentait la campagne quand même. Et c'était très créatif. On sentait l'envie de créer et de légèreté.
in the clothes there are little sensors, touch sensitive. So by touching the clothes, there's a wireless connection, like on a radio frequency, connected to the sound system. So every sound that you hear is coming from touch. There's a lot of black, there is some gray, there is some silver, there is some bluish shadows. I think that's the color palette, but it's dark.